I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that. Pour exposer au Salon des artistes français, comment faire? En fait, il suffit de déposer sa candidature, un dossier, suivant les règlements de chaque époque, bien sûr. Et c'est le jury, comme au 19e siècle, qui décide si oui, vous êtes accepté, si non, vous êtes refusé. Que vous soyez français ou étranger, que vous habitiez en France ou pas, peu importe. Le seul critère, c'est le jury. Le jury, ce sont des sociétaires qui ont déjà été médaillés d'or et qui sont élus par les autres sociétaires. Nous avons presque 650 artistes dans les 5 disciplines que nous représentons. Peinture, sculpture, gravure, architecture et photographie. En fait, nous sommes simplement un passage de témoin entre les artistes et les acheteurs ou les visiteurs. Nous ne sommes pas un salon commercial, contrairement à bien d'autres. Toutes les sections représentent le maximum de tendances, le meilleur de chaque tendance. Parce que moi, je considère, et je pense que les gens de la Société des artistes français sont dans cette optique, je considère qu'en fait, l'avenir n'est pas lié à, par exemple, à l'art contemporain forcément. En fait, c'est un renouvellement perpétuel, vous le savez très bien. On a vécu, à travers notre longue histoire, beaucoup de mouvements qui sont nés, qui ont eu une apogée et qui progressivement disparaissent, ou s'atténuent, restent, mais s'atténuent. Donc en fait, l'émergence vient du foisonnement, de la multiplicité des propositions. Il y a une vie très importante de notre association, non seulement au moment du salon où, comme vous avez pu le constater, il y a vraiment presque une ambiance d'atelier et d'entraide, mais aussi tous nos sociétaires vont et viennent à travers leur région, parce que ce n'est pas uniquement un événement parisien. Je veux dire, tous nos sociétaires qui sont dans les régions françaises ou même à l'étranger, au fur et à mesure de l'année, quand ils rencontrent des gens susceptibles d'être représentés au salon, nous le font savoir. À ce moment-là, on leur propose de déposer un dossier et le processus s'enclenche normalement.